Peter, je ne t'ai pas vu quitter la fête. Ouais, j'ai dû filer au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Je voulais seulement te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, ton père. Après avoir perdu mes parents et oncle Ben, tellement de fois où j'aurais craqué si t'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je tenais juste à ce que tu le saches. Mais je sais pas quoi te dire. Oh, je crois que Monsieur Lee a besoin de mon aide. Je dois y aller. À plus tard, mon chéri. Je t'aime. Moi aussi. Les vilains ne s'arrêtent jamais. Hé, hey, vous auriez pu m'attendre ? Oublie pas, il est en l'air ! Qu'est-ce que tu fais ? Se prennent pour le nouveau Wilson Fisk. Leur seul point commun, c'est la prison. Incroyable, je crois qu'on a au bout du fil une auditrice béotienne qui pense que Spider-Man nous a tiré du pétrin. Voyons si je peux lui remettre les idées en place. Jake Jameson, vous êtes à l'antenne. Oui, je voulais juste vous dire que Manhattan ne m'avait jamais semblé aussi calme et aussi sûr. Rappelez-vous comment c'était avant l'arrivée de Spider-Man. Très bien, d'accord. Comparons. Avant, on avait des policiers et des pompiers qui faisaient un travail formidable. Il y avait des crimes, ok, mais ça restait dans leur corde. Bien sûr, on a des trucs aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Des tarés qui lancent de l'électricité avec leurs yeux. Des tas de sable qui marchent. Des abeilles nazies. Spider-Man les a tous envoyés en prison, non ? C'est pas la question! Ils n'existaient pas avant que ce taré débarque! Au mieux, ils les attirent, mais je me demande souvent s'ils ne sont pas de connivence. Waouh! J'avais jamais entendu quelqu'un prononcer connivence. Écoutez, ce que j'en dis, c'est que j'ose pas imaginer ce qui se serait passé si tous ces gars s'étaient pointés en l'absence de Spider-Man. Encore une cause perdue. Au revoir! Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques, qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'il me repère, ils la tueront. Je dois agir en silence. Yuri. L'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. Ils ont l'air si mignons en mitoufle comme ça. Je devrais le piéger d'en haut. Bon, doucement.
Sois sage maintenant. Quelqu'un approche. Ils vont me voir ici. À des limites. Quelqu'un d'autre est là, je le jure. C'est sûrement elle qui a le dossier. Ah, dites-moi, où est-elle? Yanjing Zhen Dadian, you Kyla. Je vais te faire un échec. Salut Dodo. Mais ça appartient à... Bouge pas. Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, hey, Peter. MJ? Qu'est-ce que tu fiches ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle ? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi ? Je t'explique. Je peux vous aider ? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de fisc. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, hey, Craig. Non, désolée, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop... Un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Ah, Fisk a ouvert Peter en deux avec ça la première fois qu'ils se sont battus. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Début de la carrière un peu trop intense de l'infirmière MJ. Tout d'abord la pièce maîtresse, un Baku Kakiemon unique. Oh, magnifique. C'est un Mifune ? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez, avant son arrestation ? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nioh sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui ? Non. Non, bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à thé rituel. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Je... Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien... Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est...
C'est vraiment un bel espace. En effet, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Qui est dans ma salle d'enchères? Oh mon Dieu. Non, je doute que tu puisses régler ça. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite... Peter m'a parlé de ça. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment? La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Peut-être que ces trucs bougent. Bien. Presque. Mais il manque quelque chose. Il tient quelque chose. J'ai déjà vu ça. Voilà. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. J'aime pas ça. Où est la statue? Ici. J'allais rejoindre la sortie quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon, ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Est-ce que... elle a changé de parfum? Oh, c'est pas le moment, Peter. J'ai le dos. Où est-il? Hé, hey, je me souviens de ça. Comment Fisk l'appelait? C'était le dernier. Non! Lâche-moi! Angie! Arrêtez! Non! Cache-toi! Wow! C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains? Vous êtes des fantômes? J'ai jamais affronté de fantômes, moi! Enfin, tant pis! Je garde combattre un fantôme sur ma liste d'objectifs! Les gens d'Anne!
Cardio, c'est fait. Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de alors se passer. Alors, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je n'en sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchi dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Depuis quand Mick est devenu italien? Aucune idée, mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleures de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? En fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Je vous ai toujours bien aimés tous les deux. C'est moi! Je viens de voir des unités sur la troisième! Oui, on dirait que ce bon vieux Hermann Schultz est de retour. Shocker? Il vient pas d'être libéré sur parole? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Hermann est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Vous avez peut-être entendu parler du braquage à la salle d'enchères Roseman. Ce qui vous a peut-être échappé, et mes sources le confirment, c'est que les malfaiteurs portaient des masques. Des têtes horribles, démoniaques. Nouvelle illustration du raz-de-marée de criminels masqués depuis l'apparition de Spider-Man. Et vous, qu'en pensez-vous?
J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Ouais, 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 je comprends ce que vous dites. Mais Spider-Man, il a arrêté ses tics. Vous le rangez dans le même panier, juste parce qu'il porte un masque. C'est un préjugé. Faux! Une petite leçon de vocabulaire juste pour vous. Préjuger une personne signifie qu'on la juge avant de savoir quoi que ce soit à son sujet. Mais je sais tout ce que j'ai besoin de savoir sur Spider-Man. Il met la pagaille aux quatre coins de la ville. Il porte un masque pour ne pas avoir à répondre de ses bourdes. Et un costume tape à l'œil pour attirer l'attention sur son ego démesuré. Alors imaginons que je sois un déséquilibré. Et que moi aussi je veuille qu'on parle de moi dans les médias. Eh bien, je vais faire tout comme lui. Et New York court à sa perte. Attention, un cambriolage vient d'être signalé. Le signalement a lieu près de Lincoln. Terminé. Hé, hey, un bon vieux vol avec effraction. J'adore les classiques. Bah, vous ressemblez pas à des serruriers. Couvert de toile. Vous avez jamais vu de film d'horreur? C'est pas une bonne idée de se séparer! Continuez comme ça, hein? Il fait beau, non? Préparez-vous, chers auditeurs, parce que là, j'ai du lourd pour vous. Nous sommes en ligne avec une dame dont le mari a été enlevé par Spider-Man! Quoi? Non, non, vous avez mal compris. Mon mari a été enlevé par des criminels qui l'ont enfermé dans le coffre d'une voiture. Spider-Man l'a trouvé et l'a fait sortir. Ouais, c'est moi. Puis il a arrêté les criminels quand ils sont revenus. Veuillez excuser, madame, l'incompétence crasse de mon stagiaire qui m'a empêché d'entendre la deuxième partie. Mais vous vous rendez compte, bien sûr, qu'il est possible que Spider-Man ait organisé l'enlèvement pour pouvoir sauver votre mari et se couvrir de gloire. Ça paraît un peu idiot de se donner tant de mal alors qu'il pourrait simplement empêcher des crimes réels. Bon, pitié, ne me demandez pas de faire le truc avec la main. De toute évidence, nous sommes dans une impasse. Eh bien, passez le bonjour à votre mari, madame, hein? Jared, envoyez la pub. Et puis virez-vous vous-même. Vous vous réengagerez juste avant la reprise du direct. Mais rappelez-vous que votre poste ne tient qu'à un fil. Si vous aviez un salaire, je le diviserais par deux. Salut, Herman. Sérieusement? Laisse tomber, t'arriveras jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Je peux pas te faire de mal. Ça serait une perte de temps. Wow! C'est gentil de ta part. À quoi va te servir l'argent, Herman? Qu'est-ce que ça change? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à dire. Dommage! Ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Ah, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Allez, Herman, parle-moi! Que ça soit un minimum intéressant! Quoi? Faut t'appeler Shocker, c'est ça? Voilà, parlons un peu. J'ai dit, assez, allez! Pigé. D'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, t'es bien criminel? Faut vraiment être désespéré! Tu me fais penser que tu fais pas ça par choix! Tu dois travailler avec quelqu'un! Ou pour quelqu'un! Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus! C'est toi qui vois! J'en ai assez dit! Tu sais quoi, Herman? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ouais, plus tard. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Oh! C'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa.